On va commencer. We'll start, OK? Alors, bonjour, allô. Je suis François Lapointe et au nom de l'Institut canadien des urbanistes, je suis heureux de vous accueillir à cette troisième rencontre de Forward Planning, que l'on peut traduire en avant urbanisme ou encore plein feu sur l'avenir urbanisme. Forward Planning étant, en fin de compte, un legs fait par l'ICU aux prochaines générations d'urbanistes, le dévoilement d'un produit final à caractère et portée prospectif est prévu en novembre prochain, à l'occasion de la Journée mondiale de l'urbanisme. On behalf of the Canadian Institute of Planners, I'm happy to welcome you to this third meeting of Forward Planning. Forward Planning being ultimately a legacy made to future generation of planners by CIP, the unveiling of a final product to be prospective in character and scope is planned for next November on World Planning Day. Notre rencontre se déroule à nouveau au labo d'urbanisme de la Commission de la Capitale-Nationale à Ottawa. L'ICU remercie la CCN de permettre la tenue de cette importante initiative dans le contexte de son centenaire. Dans cette foulée, il m'importe de souligner la contribution essentielle faite par un merveilleux groupe de bénévoles qui rend possible l'organisation de cet événement se déployant en quatre segments. Veuillez aussi prendre note que la dernière rencontre de Forward Planning constituera un moment fort du programme de la conférence du centenaire en juillet. Our meeting is again taking place at the Urbanism Lab of the National Capital Commission in Ottawa. CIP is grateful to the NCC for enabling this important initiative in the context of its centennial. Further to this, allow me to underline the essential contribution made by a great group of volunteers who is making possible the staging of this four-part event. Please also note that the last meeting of Forward Planning will constitute a high point of the program of the Centennial Conference in July. Je veux également reconnaître que nous nous réunissons aujourd'hui sur le territoire non cédé de la nation Algonquin. I wish to also acknowledge that our meeting today is taking place on unceded territory of the Algonquin Nation. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente expérience d'apprentissage en cette journée très spéciale qui marque jour pour jour l'anniversaire de la fondation de l'ICU en 1919, ici à Ottawa. La ville d'Ottawa a d'ailleurs proclamé le 31 mai 2019 la journée de l'Institut canadien des urbanistes à Ottawa. I wish you in closing a great learning experience on this very special day, marking to the day the anniversary of the foundation of CIP in 1919 here in Ottawa. The City of Ottawa, moreover, has proclaimed the 31st of May 2019 the Canadian Institute of Planners Day in Ottawa. La parole va maintenant à notre modératrice chevronnée, Dr. Lila Viswanathan. Lila, over to you. Merci beaucoup, François. Bonjour. Bonjour à tous. Je m'appelle Lila Viswanathan et je suis professeure agrégée urbaniste et directrice de l'École d'urbanisme à l'Université Queen's à Kingston, en Ontario. Bienvenue à tous les membres du public qui sont ici présentement à Ottawa et à tous les autres qui nous regardent en direct en ligne. La discussion aujourd'hui est la troisième conversation publique de l'Institut canadien des urbanistes dans le cadre de son projet Forward Planning, au cours duquel nous conversons avec des urbanistes d'un peu partout au pays à propos de leurs pratiques passées, présentes et de leur vision pour l'avenir de la profession. Au cours de la dernière session, nous avons exploré de manière approfondie les questions d'inclusion, de genre, de réconciliation autochtone, ainsi que la mesure de l'importance de la créativité pour la pratique de l'urbanisme. En tant que modératrice, j'ai le privilège et le plaisir de poser une courte série de questions pour que la conversation soit fluide et pour fournir un contexte, le cas échéant. La conversation durera environ une heure et sera suivie d'une période de questions ouvertes au public ici et sur le web. J'ai maintenant le plaisir de présenter nos panélistes chevronnés aux conversations aujourd'hui. Bienvenue Diane Imbeau,
Diane est une urbaniste professionnelle avec plus de 25 ans d'expérience. Elle est titulaire d'un baccalauréat de l'Université de Saint-Boniface et d'une maîtrise en urbanisme de l'Université du Manitoba. Depuis plus de 10 ans, Diane travaille pour la Société canadienne d'hypothèque et de logement, SCHL, dans divers rôles et présentement, elle travaille en tant que spécialiste activité de liaison pour les prairies et territoires. Son temps à SCHL l'a amené à travailler en tant qu'analyste principale des marchés, consultante en logement pour les Premières Nations et analyste principale des politiques en besoin de logement. Avant de travailler à la SCHL, Diane a aussi passé plus de 15 ans à la ville de Winnipeg, où elle a occupé divers postes, dont notamment celui de directrice de la division de la planification et d'aménagement du territoire. Durant son temps à la ville de Winnipeg, elle a acquis de l'expérience en développement communautaire, en planification de quartier, en gestion de l'aménagement et en planification à long terme, et a eu l'opportunité de gérer le développement de l'initiative Our Winnipeg. Diane est également très active au sein de l'Institut provincial des urbanistes du Manitoba et elle siège actuellement sur le conseil d'administration. Une fière franco-manitobaine, Diane participe aussi activement à la communauté francophone de Saint-Boniface. Bienvenue, Diane. Et bienvenue Pierre Filion. Pierre est professeur à l'École d'urbanisme de l'Université de Waterloo. Ses intérêts en matière de recherche comprennent l'aménagement à l'échelle métropolitaine, les centres-villes traditionnels et les nouveaux centres de banlieue, ainsi que les infrastructures urbaines. Il fut le co-directeur de Critical Perspectives on Suburban Infrastructures, publié par University of Toronto Press, Cities at Risk, publié par Routledge, ainsi que 5 éditions de Canadian Cities in Transition, publiées par Oxford University Press. Pierre Filion fut le vice-président du comité consultatif en aménagement et développement immobilier de la Commission de la Capitale-Nationale, membre du panel de la zone centrale qui a mené à la formulation de Place à la croissance, Places to Grow, par le gouvernement de l'Ontario et membre du comité scientifique consultatif de la Commission conjointe internationale pour les Grands Lacs. Bienvenue, Pierre. Et enfin, bienvenue, Catherine Marchand. Catherine est une économiste et une urbaniste qui compte à son actif plus de 40 ans d'expérience en matière de planification urbaine et régionale. Sa carrière l'a conduite à travailler dans le secteur public à titre de gestionnaire en urbanisme, dans le secteur privé, en tant que consultante en urbanisme et en développement économique au Québec et en Afrique de l'Ouest, et à titre de directrice générale du Comité intergouvernemental de recherche urbaine et régionale. Sa pratique dans la mise en œuvre de plans et de politiques d'aménagement s'appuie aussi sur les recherches qu'elle a effectuées en matière de développement durable pour les organismes publics. Elle est présentement directrice du module de l'aménagement du territoire et du développement économique à la ville de Gatineau. Bienvenue à chacun d'entre vous et bienvenue à tous ici. Initialement, j'aimerais commencer notre conversation en posant à chacun d'entre vous une question qui a trait à votre travail et votre expérience. Et je vous prie, ne soyez pas modestes ici, car les urbanistes sont souvent très enclins à le faire. Nous devons être à l'écoute de tous les détails afin de trouver des solutions aux problèmes dans nos collectivités. Alors, Catherine, commençons d'abord par vous. Au cours des dernières années, la région de Gatineau a connu des inondations catastrophiques ainsi qu'un ouragan.
De tels événements malheureux ne doivent que renforcer votre détermination à rendre la ville plus résiliente. À votre avis, compte tenu du travail que vous faites déjà, comment le rôle de l'urbaniste évolue-t-il pour adapter les environnements urbains aux conséquences du changement climatique? Je vais être modeste, on n'a pas eu un ouragan, nous avons plutôt eu des tornades. Commençons par la modestie. La ville de Gatineau a effectivement été touchée par deux épisodes d'inondations, dont un qui est toujours en cours, et deux crues centenaires en trois ans, et des tornades qui ont détruit plusieurs centaines, plus d'une centaine de logements dans un secteur très dense de la ville. Ces événements-là ont toujours existé, mais ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est la répétition de ces événements et la fréquence de ces événements. Que l'on croit ou non au changement climatique, ce n'est pas le geste. Ce que ça nous impose aujourd'hui comme urbanistes, qui n'est pas vraiment ancré, je le dirais, dans notre pratique, c'est de revenir à des principes de base dans la planification qui sont de faire ces principes de la loi sur le développement durable, ces précautions, et prévention. Et ce sont des principes sur lesquels on a parfois de la difficulté à amener nos décideurs à accepter qu'il y a des choix qui sont difficiles à faire. Peu importe quand les événements vont arriver, ces événements-là vont arriver un jour ou l'autre et nous devons nous prémunir. J'ajouterais qu'il y a un autre critère auquel on pense moins comme urbaniste, c'est celui de l'équité. Parce que les choix que nous allons proposer ont des impacts, soit au niveau de différents groupes sociaux, mais aussi au niveau de l'équité intergénérationnelle. Ne pas prendre de décision aujourd'hui, c'est des impacts sur les générations futures. Alors, et en tant qu'économiste, constatez-vous un changement dans la manière dont les communautés envisagent les investissements liés à la résilience au climat? Je suis réputée pour être directe, non. Principalement, ça ne semble, la réalité des événements ne semble pas encore avoir amené les gens à reconnaître qu'on doit planifier nos infrastructures différemment, c'est un de vos thèmes, que l'on doit planifier autrement et qu'on va devoir aussi concevoir nos infrastructures. On est plus dans le préventif, mais on n'est pas beaucoup dans la précaution encore. Merci beaucoup. Diane, les urbanistes ont beaucoup à considérer quand il est question de logement. Comme nous avons mentionné plus tôt, vous travaillez pour la ACHL, qui a élaboré la première stratégie nationale sur le logement au Canada. Pour continuer sur le thème de l'économie, nombreux sont ceux qui affirment que c'est simplement l'offre de logement qu'il faut adresser pour faire baisser les prix et résoudre les problèmes d'abordabilité. De plus, il n'est pas rare d'entendre que les systèmes de planification restrictifs empêchent la construction de maisons. Cela étant dit, comment avez-vous réagi à cette façon de voir les choses tout au long de votre carrière? Et en plus, est-ce que votre approche a changé au fil du temps? Merci. Premièrement, pour commencer, c'est pas seulement l'offre de logement, mais c'est la qualité de l'offre et la variété de l'offre. Et ça, c'est un thème de la stratégie nationale de logement, de s'adresser à l'offre de logement à travers le continuum de logement, commençant avec l'itinérance jusqu'au marché. Alors, c'est une stratégie qui élabore des programmes et des soutiens à travers le continuum et aussi vise spécifiquement les personnes qui ont de la misère à s'abroger dans tout le système de logement. Alors là, il faut viser les supports pour faire certain que tous ont la chance de participer dans le système. Et ça étant dit que tous les paliers de gouvernement ont un rôle à jouer
les municipalités, en plus du, nous autres au fédéral, le provincial, c'est la place au logement, mais aussi les municipalités et les règlements et tout ça, ça a un effet sur le prix des logements, puisque, comme on dit en bon franglais, time is money. Le plus longtemps que ça prend pour faire approuver tes plans, faire passer tes plans, ça peut ajouter au coût du logement et ça a un effet sur l'abordabilité. Alors, c'est une des raisons qu'au dernier budget fédéral, on a lancé le défi aux municipalités et aux urbanismes de trouver des façons de améliorer le système d'approbation pour les nouveaux programmes de logement. Et ça, c'est une chose que j'ai vu changer au cours de ma carrière. Maintenant, comme urbaniste, on comprend tout que la densification, c'est très important pour les villes. Ça prend avantage des systèmes municipaux qui sont déjà en place, les infrastructures, le transport en commun, les quartiers qui sont déjà riches en services commerciaux, de santé, des choses comme ça. Et on veut faire croître la population dans ces quartiers-là. Alors, ça c'est bien entendu pour les planificateurs, mais ce n'était pas toujours le cas. Quand j'ai commencé ma carrière à la ville de Winnipeg, j'ai commencé dans la revitalisation des quartiers. Et on avait des fonds pour investir dans les communautés qui étaient en déclin. Et une des mesures ou des indicatifs qu'on prenait, c'était s'il y avait un croissement dans le montant de locataires dans une communauté versus les propriétaires, comme si les locataires étaient moins valorisés que les propriétaires. Alors ça, c'est une attitude qui continue encore. Je pense que c'est une attitude qui est au fond du... c'est l'attitude pas dans ma cour. C'est quand on voit notre communauté changer, notre quartier changer avec les maisons unifamiliales qui se font raser et remplacer par des blocs appartements. Ça amène des locataires, c'est vu comme un système de déclin, mais c'est une attitude qu'il faut changer parce qu'on est rendu au point où ce que la maison unifamiliale n'est pas nécessairement disponible à tout. Et c'est la location et surtout la stratégie vise beaucoup la construction de nouveaux logements locataires. Et il faut comprendre que les locataires sont des membres valorisés dans la communauté et des communautés inclusives, c'est le futur. Alors ça, c'est un changement que j'ai vu à travers ma carrière et c'est des attitudes ont changé envers les urbanistes, mais on n'est pas rendu au point où le côté politique ne s'est pas rattrapé encore. Alors ça, c'est le grand défi d'introduire le nouveau développement, l'identification dans des quartiers de façon qui respecte quand même les valeurs dans le quartier, mais qui répond aux besoins dans les matières de logement. Merci. On va retourner au thème d'inclusivité un peu plus tôt. Merci. Pierre, vous avez récemment écrit un excellent article pour l'édition du Centenaire de Plan Canada sur les communautés planifiées au Canada qui, selon vous, ont été influencées, entre autres, par le modèle de Cité-Jardin. Sur la base de vos recherches, ainsi que la nature changeante des industries, des collectivités et de l'environnement, et en réfléchissant sur ce que nous réserve le prochain siècle, existe-t-il un modèle particulier à privilégier? Et en plus, les professionnels de l'urbanisme sont-ils en position d'y donner suite? Oui, les professionnels de l'urbanisme, c'est toujours un peu compliqué parce que, comme vous l'avez mentionné tantôt, c'est vrai que les urbanistes souffrent de modestie. C'est qu'on devrait plus s'inspirer des architectes. J'espère que j'espère que je n'ai pas insulté personne, là, mais c'est vrai. Pour ce qui est des communautés planifiées maintenant, c'est intéressant qu'on en parle aujourd'hui, qu'il y a le centième anniversaire, qu'il y a la journée, qu'il y a le centième anniversaire de l'Institut, parce que ça a été un thème important tout au cours de l'histoire de l'Institut. C'est que dès le départ, dès les débuts de l'Institut, c'était la Cité-Jardin,
Et c'était le moment où Thomas Adams construisait ou planifiait des cités-jardins dans le bouclier canadien, dans des conditions qui étaient complètement différentes de ce qu'on retrouvait en Grande-Bretagne. Mais ça démontre aussi que le Canada a toujours été à la remorque de tendances internationales pour ce qui est des communautés planifiées, mais le Canada a toujours adapté ces modèles-là aux conditions canadiennes. C'est toujours un peu différent de ce que c'était ailleurs. Une chose qui est importante de constater par rapport aux communautés planifiées, puis par communauté planifiée, j'entends ce qu'on appelle en anglais « master plan communities », c'est-à-dire qu'il y a une entité qui se charge de tous les aspects de la planification d'un secteur donné. Et historiquement, au Canada, puis d'ailleurs à travers le monde, ça a été fait à partir d'un thème dominant. Ça veut dire que chaque génération de communautés planifiées a été construite autour d'un principe de base. Par exemple, la Cité-Jardin. La Cité-Jardin, c'était la combinaison ou le mélange du secteur rural, d'être en milieu rural ou en milieu moins urbain, et d'avoir en même temps les avantages de la ville. Et ça nous a donné, bien là, que je parlais à l'adaptation canadienne du modèle, ou dans ce cas-là, ça a été l'adaptation nord-américaine du modèle, ça nous a donné la banlieue. Alors, la banlieue, c'est ça, sauf que nos banlieues ne sont pas si bien planifiées que ça, mais à l'intérieur de ces banlieues-là, par exemple, on a des districts qui sont vraiment des communautés planifiées. À Toronto, par exemple, il y a Dunmills, il y a Arendelle, qui est un autre exemple. Il y a Bramalley, qui est un autre exemple de ça. Bois-Franc. Oh, mais Bois-Franc, c'est plus récent. Je vais y venir. Ville-Mont-Royal. Ville-Mont-Royal, évidemment. Ville-Mont-Royal était la première. Par Thomas Adams lui-même, d'ailleurs. Mm-hmm. Et puis, faisant suite à ça, il y a eu le modèle de Le Corbusier, les tours dans le parc. Là. Puis ce qu'on tentait de faire, ce que Le Corbusier tentait de faire avec ce modèle-là, c'était d'arriver à un niveau de densité qu'on retrouvait dans les villes très denses, médiévales ou de l'époque de la Renaissance, en même temps, en donnant aux gens la possibilité de vivre dans une ambiance qui est verte, qui est ouverte, qui a beaucoup d'espace vert. Et il a réussi à faire ça à partir de l'utilisation de ce qui était une relativement nouvelle technologie à cette époque-là, ou une nouvelle technique à cette époque-là, c'était les édifices en hauteur. Alors, c'était les édifices en hauteur. Dans le cas de Le Corbusier, c'était des édifices en hauteur en béton, qu'on plaçait de façon qu'on orientait selon l'orientation du soleil pour qu'il y ait plus d'ensoleillement possible. Et puis, ça a été le modèle. Alors, on a eu ça aussi au Canada. Par exemple, encore là, je vais vous donner des exemples de Toronto. St. Jamestown, c'est un peu ça. Flemington Park, c'est un peu ça aussi. Regent Park, c'est un peu ça. Plusieurs secteurs de banlieue à Toronto aussi sont inspirés par ce modèle-là. Dans le cas de Montréal, les habitations Jeanne-Mance, dans une certaine mesure aussi, on ressent ce type-là d'inspiration. Par la suite, et c'est là que Bois-Franc vient dans notre perspective, là, c'est que... De Ville-Saint-Laurent. Bois-Franc de Ville-Saint-Laurent, oui. Montréal. C'est ça, Bois-Franc, Ville-Saint-Laurent de Montréal, c'est le nouvel urbanisme. Le new urbanism, ça a été un autre modèle qui a mené à des communautés planifiées. Alors, ce qu'on tentait de faire dans ce cas-là, c'est qu'on tentait de recréer la vie sociale qui existait dans les villes moyennes d'avant la Seconde Guerre mondiale, mais tout en étant absolument dans un périmètre suburbain nord-américain. Alors, ça a donné, comme il dit, bien, il y a Cornell à Toronto, il y a Oak Park à Toronto. Un autre exemple aussi, bien, c'est Bois-Franc, justement, je te mentionnais, Mackenzie Town à Calgary. Alors, il y a certains exemples. Alors, la question maintenant, c'est à savoir dans quelle direction allons-nous? Alors, c'est un peu le sens de la question que vous avez posée. Alors, dans quelle direction allons-nous maintenant? C'est difficile à dire. Parce que ce qui se profile à l'horizon, ce n'est plus une communauté qui est développée autour d'un thème central, mais ce sont des communautés qui se développent autour des innovations technologiques. Je pense, par exemple, à Sidewalk Labs à Toronto, leur développement de Quayside, qui est sur les rives du lac Ontario. Alors, on ne sait pas encore exactement ce que ça va être, parce que le plan directeur va être publié au mois de juin, peut-être demain.
peut-être plus tard au cours du mois. Mais ce qu'on peut s'attendre, c'est qu'on va faire un grand usage des innovations technologiques. Et puis, ça va être un modèle qui va évoluer selon les innovations technologiques. Alors, je pourrais établir un parallèle dans ce sens-là entre ce qui va se produire dans ce secteur-là et ce qui s'est produit dans le secteur de l'information avec la révolution technologique. Ça commence, on va poser des questions au sujet de l'inclusivité aussi. Quand je pense à Sidewalk Labs, il y a des questions d'inclusivité aussi, et technologie, et sécurité. Bon, d'accord, on va continuer. Maintenant, j'ai une question pour tous les panélistes. Lors de notre session précédente, c'était en février, nous avons mis beaucoup d'emphase sur l'inclusion dans la planification. Et au cours de notre conversation aujourd'hui, nous avons mis l'accent un peu plus sur le développement, que ce soit en matière de logement ou plus généralement. Cela étant dit, il semble que le développement et l'inclusion ne doivent pas s'exclure mutuellement. Et c'est là l'essence même des objectifs de développement durable de l'ONU. Alors, ma question à vous tous, dans le contexte de développement, quels sont selon vous les défis les plus pressants pouvant permettre une plus grande inclusion dans les processus de développement et sur le plan de la croissance? Et nous allons prendre maintenant deux ou trois minutes avec chaque panéliste à approfondir cette question. Commençons par Pierre, suivi de Diane et Catherine. OK. Moi, ce que je vois comme obstacle à l'inclusivité et à une forme d'urbanisme aussi qui pourrait faire face aux grands problèmes auxquels la société fait face en ce moment, c'est la perte de pouvoir du secteur public. C'est qu'au cours des trois ou quatre dernières décennies, il y a eu un assaut contre le secteur public. On fait souvent référence au néolibéralisme comme étant la cause de ça. Ça l'est dans une mesure, mais ce n'est pas le seul facteur. Je pense que l'internationalisation, par exemple, de l'économie qui fait en sorte que les différentes entités nationales sont toujours en concurrence les unes avec les autres, doivent aussi offrir des conditions d'investissement qui sont plus favorables aux grandes entreprises. On fait en sorte que les gouvernements ont perdu de leur capacité d'intervenir dans la société, ce qui a eu comme effet aussi de faire en sorte que les gens ont moins confiance au secteur public qu'ils l'avaient dans le passé, ce qui explique dans une certaine mesure ce qui se passe sur le plan politique. Le fait que les gens, un peu partout à travers le monde, élisent des bouffons comme président ou comme n'importe quoi, là, c'est pas sans rapport avec cette situation-là non plus. Alors, je pense qu'on se retrouve dans la situation difficile selon laquelle on est à un point dans l'histoire. Comme Catherine le mentionnait, on a des problèmes environnementaux très importants. Un des outils, ce n'est pas le seul, la technologie est un autre outil pour y faire face, mais un des outils importants, c'est d'avoir des moyens organisationnels, institutionnels, qui nous permettraient de faire en sorte qu'on pourrait créer une réaction collective à ça, puis de mettre en marche des moyens pour y faire face, c'est beaucoup plus difficile de le faire maintenant qu'on le faisait autrefois. C'est que parmi les gens qui tentent de faire en sorte qu'il y ait une réaction gouvernementale au changement climatique, ils disent, bon, ben on devra faire ce qu'on a fait après la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'on a créé toutes ces institutions internationales qui sont encore avec nous, qui sont affaiblies, mais qui sont encore là, alors, on devra faire la même chose maintenant sur le plan environnemental. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, on avait confiance aux institutions politiques, alors que maintenant, on a beaucoup moins confiance aux institutions politiques. Alors, ça se voit aussi parmi les jeunes, là, c'est que souvent, les jeunes votent pas, et puis, on marque que ça peut changer aussi. Ça va être mon côté optimiste. OK, ça, c'est pessimiste, mais ça peut changer. Oui, une bonne combinaison de politique et d'action démocratique. Pas le parti, par exemple, mais c'est très, très important. Diane? Non, c'est un point vraiment intéressant que c'est quand même le côté politique qui mène. Et quand on parle d'inclusivité, dans le secteur du logement, en tout cas, c'est beaucoup
la résistance au changement ou la résistance au changement qu'il faut faire. Alors, c'est là qu'on fait face au, c'est pas dans ma cour. Et ça, c'est le grand défi à changer qu'il faut promouvoir l'inclusivité. Il y a aussi le fait que, bien, avec la stratégie nationale de logement, l'inclusivité dans la forme construite est très importante. Et ça, c'est quelque chose que politiquement peut être poussé par le haut, mais aussi il faut que ça vienne du bas, que les gens demandent l'inclusivité dans la forme construite. Et c'est une exigence de la stratégie du logement qu'il faut avoir, tu sais, les logements accessibles et le design universel dans ce qu'on construit, parce que si on veut reconstruire le pâté le stock d'habitation au Canada, il faut que ça soit disponible pour tous les gens, peu importe leur stage de vie ou leur condition physique. Alors ça, c'est le côté physique. Et franchement, les banlieues qu'on a construites, c'était jamais une considération comment accessibles sont nos communautés. Et à mesure que les gens commencent à vieillir, ça va devenir beaucoup plus une question à répondre. Et avec la densification et le changement de quartier, c'est vraiment l'opportunité de changer la forme des quartiers et prendre l'opportunité de faire que les quartiers soient plus inclusifs d'une forme construite, mais aussi inclusifs du côté être capable de participer dans la communauté. Mais ça demande toute la question politique, comment inclure tout le monde dans la conversation pour que le changement dans les quartiers soit bienvenue, parce que maintenant, c'est beaucoup une résistance vers le passé, les gens qu'on est en train d'élire, comme tu as dit, c'est des gens qui ont peur du changement, franchement. Et ça revient au côté, c'est la peur du changement. Et c'est ça le grand défi qu'il faut faire face. Oui, avoir un processus et une forme inclusif, c'est ça un grand défi. Ça continue. Ce n'est pas un nouvel problème, par exemple, mais non, ouais, non. Ça continue. Et Catherine, vos idées? Moi, je vous dirais qu'il faut regarder comment notre société a évolué. On a une société qui est extrêmement fractionnée. On a une multitude de petits groupes qui sont en lien sur leur téléphone, mais qui ne sont pas en lien dans des communautés physiques. Cette notion d'appartenance à une communauté, on a tendance à beaucoup critiquer les banlieues, mais les premières banlieues, les gens, c'était un quartier, c'était un milieu de vie. Ils s'identifiaient à cet environnement-là. Notre éclatement social dans tous ces groupuscules, plus ou moins verts, plus ou moins noirs, plus ou moins whatever, avec des valeurs culturelles qui sont très différentes, c'est un enjeu pour nous comme urbanistes, parce qu'on doit être capable d'être à l'écoute de cette grande diversité qu'on a. Et c'est très difficile. Moi, je ne partage pas votre point de vue que tout le gros de la faute est au niveau politique. Je pense qu'on a un devoir de mieux comprendre comment les changements technologiques, la diversité culturelle, le fait que les gens sont très mobiles aujourd'hui, comment ça change notre relation à l'espace. Comment l'espace devient pour beaucoup un bien de consommation. Vous savez, quand on travaille avec des Européens, ils ne comprennent pas que nous, on déménage aux 4 ans ou aux 5 ans parce que tu as un bâtiment qui est dans la famille depuis 3 générations, 4 générations, mais c'est pas courant en Amérique du Nord. On n'a pas d'attachement au patrimoine, non, je parle pas historique, mais patrimoine immobilier. Donc, c'est un enjeu qu'on doit prendre en compte parce que dans les travaux, par exemple, que nous, on fait à l'échelle de certains quartiers, il faut rebâtir cette notion d'identité, d'appartenance au lieu, qui est un facteur qui va être aidant dans l'adhésion à des questions d'inclusion. Si on veut passer du NIMBY au YIMBY, Yes in My Backyard, bien, il faut passer par cette obligation de comprendre et de réconcilier
les enjeux liés à la diversité de tous les types de clientèle. On utilise des mots comme client, consommateur, citoyen. Ce ne sont pas des mots qui sont... Il y a une tension envers les trois mots, mais ce sont toutes les mêmes personnes. Ça change dans l'espace, ça change dans le contexte aussi. Merci, Catherine. D'accord. Chacun d'entre vous a déjà réfléchi au défi de l'inclusion dans le contexte du développement et on va poursuivre ce sujet un peu plus. Pour poursuivre ce sujet, que devrait prioriser? Alors, c'est une tâche de priorisation. Que devrait prioriser la profession afin de pouvoir répondre à ces défis dans le prochain siècle? Commençons par Catherine, ensuite Pierre et finalement Diane. Excusez pour l'anglais. 64 000. Vous nous avez dit de ne pas être modeste. Oui, alors, comme je ne serai pas là dans 100 ans, je vais faire preuve d'ambition. En anglais, on est bien nommé. On est des planners. En français, on est mal nommé. On est des urbanistes. Ce qui a tendance à confiner notre rôle à celui qui fait la ville ou qui contribue à la ville. Les défis qu'on rencontre, ils sont multi, ils sont transversaux. De plus en plus, quand on a commencé à pratiquer il y a 40 ans, on pouvait compartimenter notre pratique. Il y avait les zoneux, puis il y avait des plans, il y avait des gens qui faisaient des politiques. Aujourd'hui, notre pratique, elle est transversale. Et le défi que je nous lancerais, c'est qu'on devrait avoir l'ambition d'être le chef d'orchestre. Qui réunit l'ensemble des compétences et l'ensemble des professions dont on a besoin pour arriver à trouver des solutions. Je continue un peu avec vous, Catherine. Au cours de votre carrière, vous avez eu l'occasion de travailler dans des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et au cours de votre séjour à l'étranger, qu'avez-vous observé sur la manière dont nous pouvons apprendre à adapter nos pratiques de planification pour répondre à différents besoins culturels et sociaux? Je vais me permettre une anecdote. J'ai eu à diriger, à appuyer une commission qui devait faire un plan de développement local pour une province dans le sud du Burkina Faso. Et projet défini et conçu par un organisme canadien que je ne nommerai pas, on a voulu transposer les manières de faire au Canada, au Burkina. Et on avait l'obligation de tenir des consultations publiques, d'aller chercher la société civile. Donc, on organise ces séances-là et on doit travailler dans des villages où il y a 4 langues différentes. Et on doit faire une consultation et l'objectif, c'est d'amener les gens à réfléchir sur quels sont les objectifs et qu'est-ce qu'ils verraient dans le futur. Donc, les amener à planifier. Et l'enjeu, c'est qu'il n'y a pas un mot dans aucune des langues qui correspond à planifier. Il n'y a pas de mot dans ces 4 langues qui correspond à planifier. Donc, après avoir travaillé avec ceux qui nous servaient d'interprètes, on a fini par trouver une image. C'est la voie à suivre. Quelle devrait être la voie? Parce que, alors là, vous allez être surpris, mais c'est aussi le mot qui est utilisé tant pour la Bible que pour le Coran. Donc, on était vraiment inclusif. Donc, c'est la voie à suivre. Qu'est-ce que c'est planifier? C'est la voie à suivre si on veut aller du point A au point B et qu'on a un certain objectif. Quand on travaille dans des communautés aussi différentes, ça nous oblige vraiment à être à l'écoute de comment les gens fonctionnent, quelles sont leurs valeurs. Mais ça se transpose. J'ai une ville de 280 000, Gatineau, qui a des populations qui sont très différentes. Et quand on a des thèmes ou des enjeux, on doit s'adapter dans nos communications, dans nos consultations, pour être capable d'aller chercher. Nous avons un défi, on a une population âgée de plus en plus importante. Si moi, qui a bientôt 64 ans, je fais partie de ce groupe-là, mais je suis très technologique, je suis quasiment née avec, d'une certaine manière, l'Internet, pour moi, ça fait partie de mon quotidien. Mais quand on fait des communications qui sont entièrement basées sur le web, on perd une très forte proportion. On a une population qui est analphabète technologiquement ou même analphabète au niveau de la lecture
au-delà de la lecture de base. Donc, ce que je retiens, c'est encore une fois de retourner à l'écoute et d'avoir une meilleure conscience de la diversité des gens auxquels il n'y a pas, il n'y aura pas de one size fits all. Il n'y a pas de solution uniforme, même dans une ville qui ne fait que 280 000. Merci beaucoup. Merci. Pierre, pouvez-vous répondre à la question d'avoir des réponses à ces défis dans le prochain siècle? Oui, le 64 000 $ n'a pas diminué depuis votre réponse. Là. À mon avis, ce qui distingue les urbanistes des autres professions, c'est que ce qu'ils font a trait à l'espace. C'est eux qui s'occupent de l'espace et chaque phénomène urbain a une dimension spatiale. Alors, il s'agissait de penser, j'essaie de penser parmi tous ces phénomènes urbains-là, humains-là plutôt, quels sont ceux qui sont plus susceptibles d'avoir un impact transformateur dans l'avenir par rapport à l'espace. Bon, évidemment, il y a la technologie. C'est qu'on est à l'aube de très grands changements technologiques qui vont se déployer, qui se déploient dans le moment, qui vont se déployer encore plus dans l'avenir. Les véhicules autonomes et plein de choses qu'on ne peut pas prévoir. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est ce qu'on ne peut pas prévoir. Ou les innovations technologiques elles-mêmes, ou les conséquences des innovations technologiques. Quand je parlais tantôt, puis je disais que sur le plan de l'urbanisme, on se trouve un peu dans la même situation qu'on se trouvait au début de la révolution informatique, bien, en 1970 ou 1980, on ne pouvait pas prévoir que l'information, que la révolution informatique était pour entraîner presque la fin des médias traditionnels, par exemple. On ne savait pas. Il y avait plein de phénomènes qu'on ne pouvait pas prévoir parce que finalement, un des effets importants de la révolution technologique, c'est que ça change l'usage du temps des gens. C'est que le temps que les gens passent sur leur téléphone, sur leur ordinateur, bien, ils passent pas à faire d'autres choses. Alors, si on se trouve dans un contexte urbain, par exemple, la ville traditionnellement, c'est une entité qui nous parle. Parce qu'on se promène dans la ville, puis on voit plein de choses, puis il y a plein de messages qui nous parviennent du milieu urbain comme tel. Mais si on a notre téléphone devant soi, bien, ça ne fonctionne plus, ce système-là. Là. C'est que notre rapport à l'urbain se voit transformé de ce fait-là. Par exemple, je me souviens, la première fois que je suis allé en Europe, je crois que j'avais 19 ou 20 ans, je n'avais pas beaucoup d'argent, puis le soir, bien, je me promenais dans la ville. Puis j'avais faim, puis je sentais, puis c'est ça qui déterminait quel restaurant je n'étais pas à visiter. Les coûts au menu aussi, là, les prix du menu, c'était un facteur. Mais un autre facteur, c'était qu'à un moment donné, je sentais les crêpes à Paris, puis je disais, j'ai faim. Puis j'allais, là. Maintenant, bien, quand je regarde les gens, ce qu'ils font, bien, ils regardent sur leur téléphone, ils regardent le barème qui est donné aux différents restaurants, puis ils choisissent sur ce point-là. Ça change tout, ça change la dynamique. Alors, ça, c'est un des aspects. Comment est-ce qu'on va faire face à ça? Comment on va pouvoir faire en sorte que ces phénomènes-là se passent dans l'espace et que l'espace en soi maintienne son importance? Qu'il y ait un aspect plaisant qui soit relié à l'espace qui continue avec le temps. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est ce que Catherine mentionnait, là. C'est les changements sociaux. C'est le fait que la société se fragmente sur le plan culturel. Les gens pensent différentes choses. Les gens vivent dans leur bulle. Alors, il y a des bulles qui se créent où les gens vivent et n'ont plus de rapport avec les autres bulles. Autrefois, ben, tout le monde regardait les mêmes émissions à la télévision, lisait les mêmes journaux, tout ça, c'est fini. Alors, il se crée des sous-communautés qui sont plus en rapport les unes avec les autres, ce qui fait en sorte que la gouvernance devient beaucoup plus compliquée dans ce cas-là, parce qu'il y a moins de sympathie entre les différentes communautés à ce moment-là, parce qu'elles ne se connaissent plus. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est l'aspect économique. C'est la polarisation économique qui va avoir un impact énorme et où les urbanistes vont devoir jouer un rôle important. Mais là encore, ça revient à ce que je disais tantôt.
c'est que beaucoup de ces questions-là sont reliées aux politiques. C'est que les urbanistes peuvent faire des choses, peuvent faire tout ce qu'ils peuvent pour assurer plus d'intégration sociale, mais si la volonté politique est absente, sur le plan de redistribution des revenus ou sur le plan de résistance au NIMBY ou pas dans ma cour, par exemple, bien, ça devient très difficile pour les urbanistes de jouer leur rôle dans ce sens-là. Vos élèves, nous sommes tous les deux des profs dans les écoles d'urbanisme. Vos étudiants, vos élèves, est-ce qu'ils pensent des mêmes idées en pensant du futur? Quelles sont leurs priorités, pensez-vous? Non, parce que ce que je vois de l'extérieur, à cause de mon âge, eux sont nés là-dedans. Donc, pour eux, c'est l'état de fait. C'est la façon... C'est comme ça que le monde fonctionne. Alors, pour eux, ils perçoivent pas la différence. Alors, lorsque je donne mes cours, un des points importants dans mes cours, c'est de dire, bon, ben, ça n'a pas toujours été comme ça, puis ça ne sera pas toujours comme ça. OK? Il y a une autre réalité qui est là, il y a une autre réalité dont vous devez être consciente, puis dans une certaine mesure, c'est l'histoire de l'urbanisme, c'est l'histoire de l'aménagement. Parce que si on regarde les différentes étapes de l'histoire de l'aménagement, l'étape dans laquelle on se trouve, c'est une de ces étapes-là, puis ça va mener à quelque chose d'autre, et puis c'est eux qui vont le définir. Alors, j'essaie de leur donner des moyens de définir l'avenir. Parfait. Parfait, merci. Et ensuite, Diane, est-ce que vous remarquez-vous la question primaire? Je vais réfléchir un peu ici. Que devrait prioriser la profession afin de pouvoir répondre à ces défis dans le prochain siècle? Les défis d'inclusivité et d'inclusion. Je pense que mes collègues en ont bien discuté de toutes les différentes façons, mais il y a une chose qui revient, c'est que ça revient aux gens. Et comment qui existe dans la société. Et puis, je pense qu'il y a, beaucoup qu'on peut apprendre des autres disciplines telles que la psychologie. Parce que, tu sais, être constamment au téléphone, il y a un aspect psychologique qui fait qu'on est intéressé à être à notre téléphone. On entend le bing, puis on court tout de suite pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça retourne à Pavlov, tu sais, quasiment en arrière. Alors, tu sais, comprendre un peu la psychologie des gens et apprendre des autres disciplines, je pense même toute la discipline de gérance du changement et comment ça affecte la personne et comment on peut amener la personne à prendre un chemin vers l'inclusivité. Si ceux qui sont dans leur bulle, ils sont en train d'être joués par un tour psychologique, c'est peut-être à nous de jouer notre propre tour psychologique pour présenter, introduire le changement et l'influencer de façon où que nos connaissances techniques et l'histoire de la planification et où on veut aller. On a les connaissances, mais on a beau à parler logiquement et de façon technique avec les gens, il faut s'attacher aux tripes des gens et puis expliquer pourquoi c'est important et être un peu, comme tu dis, un leader et les emmener avec nous. Et pour ça, il faut comprendre l'aspect humain. L'aspect humain, c'est très, très, très important. Je pense toujours des lacunes de compétences des étudiants et comme urbanistes et comment les adresser avec la créativité, avec la curiosité, avec beaucoup d'ouvrages aussi. D'accord, on va continuer. Parce que notre temps est presque écoulé et j'aimerais que chacun d'entre vous réfléchisse brièvement à notre dernière question en deux parties. C'est la même question que j'ai posée à tous les autres panélistes dans nos conversations en février et en janvier aussi. Alors, les questions sont, si vous aviez un souhait à formuler pour l'avenir de la profession, que serait-il?
Et quel sera le premier geste que vous poseriez afin de contribuer à ce futur? Ta-ta-na-na. Qui veut commencer? Je n'ai pas un ordre ici. Bien, je peux commencer. Tu me regardes, là. je dirais, continue mon dernier point. Qu'est-ce que j'espère pour la profession, c'est qu'on devienne des leaders dans la transformation de nos communautés et la transformation vers des communautés plus inclusives pour tout et plus abordables et plus... où il y a un aspect humain, où qu'on peut refaire les contacts et faire ça. Et moi, j'ai la chance quand même, dans mon rôle à la CHL, j'ai la stratégie nationale du logement est un outil à aider à amener l'inclusivité dans les communautés, dans les quartiers. Catherine? J'ai parlé de chef d'orchestre tout à l'heure, mais je dirais que je vois l'urbaniste comme étant, il devrait être le conseiller de premier choix. C'est pas nous qui allons faire le changement. C'est les gens qui vont les faire, c'est l'entreprise privée qui va le faire, c'est les gouvernements qui vont le faire. Mais il faut qu'on développe une telle respectabilité qu'on se tourne vers nous lorsqu'on a des choix à faire. Mais pour qu'on soit ça, il faut être capable de comprendre qu'on n'a pas toujours raison et qu'il y a peut-être d'autres façons ou d'autres manières d'atteindre le même objectif. Je dis assez ironiquement que j'ai choisi deux professions un peu masochistes. Je suis économiste, ce qui fait que j'ai toujours tort, et qu'en tant qu'urbaniste, je n'ai jamais raison. Et je pense qu'on doit retenir ça, c'est que nous sommes des conseillers et il faut qu'on ait un devoir de pédagogie. Et on a devoir d'être créatif pour pouvoir jouer ce rôle-là et contribuer au changement. Et Pierre? Mon souhait, ce serait qu'on se retrouve dans 100 ans, dans une situation où on a encore des gros problèmes de déneigement dans nos villes. Et que la raison pour laquelle c'est le cas, c'est qu'à différentes étapes au cours des 100 ans à venir, collectivement, les urbanistes, toutes les autres professions, toutes les autres gens sont mobilisés quand c'était le temps de se mobiliser pour prendre les bonnes décisions. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, je pense qu'on a le temps pour vérifier s'il y a des questions du public. Nous allons inviter deux questions de notre public en direct et ici, et ensuite nous verrons s'il y a des questions en ligne. Et je voudrais dire qu'on va accepter les questions en français ou en anglais. Et on va répondre en anglais ou en français, on verra. So if you have any questions in English, feel free to ask them. And we will do our best to answer them. But we'd like to take questions from the floor first. Et quand vous posez vos questions, si vous voudrez vous présenter premièrement, et si votre question est pour une personne en particulière ou pour toutes nos panélistes, dites-nous, s'il vous plaît. If you have a question for one panelist or for all of us, feel free to go ahead and ask. I'm afraid I will have to ask in English. Reflecting on what you've said so far, from what I understand, and certainly my observations about the previous panelists that we've had in the forward planning conversations, as planners, you are very good at being self-reflective. And what I'd like to ask you is give you a bit of a free pass, really. You've identified a number of issues that you think we should be addressing in the future, in the next 100 years. My question is about support. Accepting that the profession isn't an island, what kind of support do you think professionals will need, or planning professionals will need in the future, and where should that support come from, and who should it come from?
En franglais, no man is an island. Chacun ne peut pas travailler tout seul. Alors, si on a besoin des supports, où cherchons-nous les supports? On peut chercher le support des autres urbanistes, par exemple, mais qui d'autre? Je pense que on a la chance, dans tout mon pessimisme là, par rapport au gouvernement, aux institutions et tout ça, les institutions qui sont le plus respectées sont habituellement les institutions qui sont le plus locales. Les municipalités, il y a beaucoup moins de sentiments négatifs par rapport aux municipalités que par rapport au niveau supérieur de gouvernement. Alors, je pense que les urbanistes fonctionnent le mieux lorsqu'ils fonctionnent au niveau local ou de pair avec les acteurs au niveau local. Alors, je pense que le plus près qu'on est des gens, là, dans les différents projets qu'on met de l'avant, bien, le plus qu'on peut avoir de l'influence, puis le plus qu'on risque de réussir dans ce qu'on entend faire. Et pour le secteur privé, est-ce qu'ils ont un rôle aussi? C'est la même chose. C'est la même chose pour le secteur privé, oui. Les autres idées, les réponses? Mais vous avez lié votre question, linked your question to, au défi. That's, your question was linked to the things that we'll have to face in the next 100 years, right? Yeah. Je dirais que on a besoin d'un ensemble de professions, mais on a besoin, comme urbaniste, comme planner, de développer une compréhension, un langage commun avec ces professions-là. On a chacun nos jargons, on a chacun, et c'est le natural path, c'est une technique. La première base, c'est développer un langage commun. Et ça, c'est un devoir. On ne peut pas se fermer et il faut faire l'effort d'investir pour comprendre les prémices de l'autre ou le langage de l'autre. Parce que les défis auxquels on fait face, ils font appel à de multiples compétences. Et il faut d'abord régler le problème de la tour de Babel. Oui, c'est un renforcement d'un rôle qu'on a toujours eu, c'est être la voie entre, disons, le monde technique et le côté humain. Et c'est nous les traducteurs, les interprètes, les chefs d'orchestre pour amener les différentes disciplines ensemble. Alors, on a besoin essentiellement le support de toutes les autres disciplines qui font affaire au le côté de la forme construite ainsi que le côté humain. On a besoin des collaborateurs. Oui. Il y a une autre question? Moi, ma question, c'est un peu ce que vous venez de souligner, c'est le rôle du secteur privé. On parle aussi un peu, ça touchait un peu ce que vous disiez avant avec la délégitimisation de la politique, puis l'économie qui joue un rôle beaucoup plus important. Et donc, le secteur privé joue un rôle dans tous les projets en urbanisme. Ils ont un rôle très important. On a beau à écouter les gens, on a beau à être sensible sur les options, les valeurs d'inclusivité, mais si le cas de la business ne se rend pas au rendez-vous, on est un peu désolé. Hein? Donc, comme urbaniste, avec beaucoup d'expérience, comment est-ce que vous voyez dans le futur qu'il y ait un mécanisme qui amène pas seulement par l'éducation, hein, parce que les promoteurs, les développeurs, c'est des gens quand même assez intéressants, même si des fois, bon, ils n'ont pas toute la connaissance, mais ils sont ouverts aux nouvelles idées. Hein. Mais comment est-ce qu'on attire puis on fait un consensus sur nos valeurs qui tournent alentour de l'être humain, finalement? Mais c'est un peu ce qu'on avait dit la dernière question. Il faut comprendre le langage. Il faut parler le. Tu sais, on a beau avoir des targets humains, tout le côté social, mais si c'est pas rentable, c'est pas rentable. Il y a personne qui va le faire.
Alors, il faut comprendre ce côté-là de l'aspect de développement. Et c'est peut-être en trouvant et travaillant avec les pionniers qui vont prove the case, c'est faire que c'est capable d'être fait, c'est capable d'être rentable et rencontrer, disons, le triple bottom line. C'est quand même le même. Il faut que ça soit rentable parce que c'est fini les jours où les taxes vont tout payer. Il faut avoir le secteur privé comme partenaire dans ce qu'on fait. Catherine? C'est un enjeu qu'on vit tous, mais il faut comprendre cette logique ou cette rationalité du promoteur. Nous avons un objectif ambitieux de ramener 4000 logements sur l'île de Hull, secteur qui a connu énormément de démolitions grâce aux interventions fédérales des années 70. Et lorsqu'on a commencé à travailler sur cet objectif-là, on avait à réconcilier des résidents qui ne voulaient pas voir de bâtiment de plus de 15 étages et des promoteurs qui nous disaient, le bottom line, si tu me fixes à 15 étages, je ne construirai rien. Donc, on a travaillé avec eux pour comprendre jusqu'où elle était cette ligne et pour proposer au Conseil un programme de subvention à la construction résidentielle qui est probablement le plus généreux de toutes les villes canadiennes et qui nous a permis de rencontrer les objectifs des citoyens de ne pas monter trop haut, tout en faisant lever des projets qui n'auraient pas levé. Donc, ça veut dire que c'est la même recette. Il faut comprendre sa logique et voir comment on peut y répondre en réconciliant. Et on est en train d'atteindre ce genre d'objectif-là. Mais ça nous demande beaucoup de créativité. Oui, parce que l'urbanisme en soi ne peut pas réaliser. Des fois, peut arriver à certaines réalisations, mais elles sont toujours limitées sans la part du secteur privé. Alors, il faut toujours faire en sorte que la logique de la profitabilité, là, du marché, soit respectée dans les différents projets qui sont mis de l'avant, parce que sans ça, le projet n'aura tout simplement pas lieu. Il y a une autre dimension aussi au secteur public dans le moment, puis ça revient à ce que je disais tantôt par rapport aux communautés planifiées. C'est que le gros des communautés planifiées au Canada ont été planifiées et construites par des entreprises privées. OK? C'est intéressant. Ce n'est pas le gouvernement qui a pris l'initiative dans ce cas-là. Dans certains cas, oui. Dans les cas où c'était du logement social, mais dans les autres cas, ça a été le secteur privé qui a pris l'initiative. Alors, maintenant, on se retrouve on est toujours dans la même situation, mais on se retrouve à une nouvelle échelle dans cette situation-là, parce que c'est des géants, maintenant, qui entrent dans la scène du développement immobilier, comme Google, par exemple. J'évoquais le cas de Sidewalk Labs tantôt, mais c'est Google qui commence à s'intéresser au développement urbain. Alors, quelles seront les répercussions de ça? Et puis, c'est intéressant, je suis en train de faire une étude sur le projet de Sidewalk Labs à Toronto. Et puis, un des résultats de cette étude-là, c'est que Google, Sidewalk Labs, lorsqu'ils mettent de l'avant leurs idées par rapport au redéveloppement de leur secteur des rives du lac Ontario, se présentent comme étant une entité qui peut réaliser ce que les gouvernements ne peuvent pas réaliser. Alors, ils disent, nous, le logement abordable, on peut le faire parce qu'on a l'innovation de notre bord. C'est qu'on va construire en bois, puis tout ça, puis on va arriver à faire du logement abordable. Nous, les problèmes de circulation, on va les régler parce qu'on est en train de développer des véhicules autonomes, puis tout ça, et puis on va avoir la solution à ces problèmes-là. Alors, ayez confiance. Et ça va encore plus loin. Ça va au niveau où ils disent que nous, le transport en commun, le tramway, sur les rives du lac Ontario, ça vous a été promis depuis 2005 par la Ville de Toronto. La Ville de Toronto n'a jamais réussi à le mettre en place. Nous, on peut le faire parce qu'on a plein d'argent pour le faire. On a les moyens financiers pour le faire. Alors, ça a des conséquences importantes parce que ça veut dire que le risque potentiel,
c'est que tout un plan de l'aménagement tomberait dans les mains du secteur privé, ce qui fera en sorte que, les processus actuels de participation du public, de prise de décision démocratique, par exemple, disparaîtraient de la scène. Parce que ce serait une compagnie qui mettrait ça en place, une compagnie qui assurerait le financement de tout ça, et la compagnie pourrait bien dire « Oui, oh oui, nous, on a de la consultation, oui, pas de problème, le public participe. » Mais en réalité, ce serait des relations publiques, ce serait des mécanismes de relations publiques qui seraient mis en place plutôt que de la véritable prise de décision démocratique. Alors, je pense que c'est un problème auquel on fait face dans le moment, qui se profile à l'horizon. Merci bien. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ici? D'accord, je vais passer le micro. Oh gosh. J'ai quelques questions. Je vais les dire en anglais si c'est correct. People are on their phones a lot. One of them is, so how can architecture foster connectivity? Like, should I say one by one or like all of them together? Are they related? One is about like, how we can use architecture like to help youth learn better. So maybe like colors or some people learn through like touch, because we talked also about how youth stay on their phones a lot. And in the past, you know, we were more connected. It was like more like a village. Donc les personnes seraient comme étaient en train de parler avec entre eux. Mais maintenant, ce qui arrive, c'est qu'ils sont toujours sur leur téléphone, je crois. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser l'architecture pour faire en sorte que les jeunes, à la place de regarder sur leur téléphone, ils veulent, c'est par eux. C'est initié par eux pour vouloir regarder autour de eux ce qui se passe et parler avec each other. Et comment est-ce qu'on peut aussi, il y a beaucoup de choses, parce qu'on a aussi parlé about vote un peu, like, le politique comme de nos jours, c'est difficile pour les jeunes pour croire dans leur gouvernement. Et des fois, ce qui arrive, c'est que les jeunes se sentent pas comme si ils n'ont pas faith sur le gouvernement. Donc, comment est-ce qu'on peut encourager les jeunes pour contribuer, pour qu'ils peuvent s'identifier avec l'architecture, oui, mais aussi pour les faire sentir comme ce qu'ils ont à dire, les gens vont les entendre. Donc, ça ne va pas être comme si ils vont juste dire ça, puis on ne va pas faire quelque chose actif, là, on ne va pas actualiser leur idée. Je ne sais pas si ça fait du sens. J'ai encore beaucoup de questions. On a aussi parlé about l'anthropologie, donc l'anthropologie, c'est quand on utilise les langues, et puisque ici au Canada, on est une société multiculturelle, on a plusieurs cultures, ce qui arrive, c'est que les gens, comme on a dit en français, l'urbanisme, comparé avec l'anglais, planning. Donc, c'est deux différentes mentalités de voir les choses, de voir la profession elle-même et de voir aussi la façon qu'on aperçoit Ottawa ou n'importe où qu'on vit. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on... Enfin, on ne peut pas changer la langue comme telle, mais on peut avoir comme des discussions. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens sont éduqués de la manière dont ils pensent? Parce que maintenant, surtout moi, par exemple, je viens d'un certain background, donc je pense d'une certaine manière, naturellement. Et en plus, je parle en français, en anglais et plusieurs langues aussi. Donc, j'ai un certain collective way of thinking from different cultures amalgamées ensemble. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on intègre ça dans l'éducation de l'urbanisme? Parce qu'on parle about les gens doivent venir forward pour parler about comment ils s'identifient leur culture,
pour inclure ça dans l'architecture, mais comment est-ce qu'on fait pour aussi aller au root? Donc, comment est-ce que chaque personne pense? Je sais, je m'excuse, c'est beaucoup, mais, yeah. Je vais essayer de poser une question comme sommaire un peu. C'est vraiment, vous avez posé plusieurs questions qui présentent l'espoir des jeunes, l'espoir et la valorisation de l'espoir des jeunes aussi, le rôle de l'architecture en enseignant ou dans l'éducation, l'amalgamation des cultures qui présente comme identité. Il y a beaucoup de choses que vous avez posées, mais c'est vraiment une bonne soupe des questions. Je vais laisser pour le panel à répondre. Tu veux que je commence? Oui. OK. J'ai beaucoup aimé votre question sur l'architecture, parce que ça me faisait penser que ce n'est pas la première fois que l'architecture doit s'adapter à une nouvelle technologie. Dans les années 50, par exemple, l'architecture a dû s'adapter à l'automobile. Et ça a donné les routes de banlieue avec les grandes enseignes, et puis les motels, puis les détaillants, puis tout ça, d'automobiles, puis usagers ou pas. Puis cette espèce d'environnement bigarré là, qu'on retrouve en banlieue, bien ça, c'est l'adaptation de l'architecture à une nouvelle technologie. Alors, je pensais, lorsque vous posiez la question, bon, bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? Là? Maintenant, c'est non seulement les gens qui sont dans leur automobile, mais il y a les gens qui sont à pied, qui regardent leur téléphone, qui ne prêtent pas beaucoup, qui ne donnent pas beaucoup d'attention à ce qu'ils trouvent autour d'eux. Alors, qu'est-ce que l'architecture doit faire pour attirer leur attention? Alors, évidemment, là, on est loin passé l'époque du brutalisme. Alors, des murs de béton, là, sans fenêtres ni rien, ça ne fonctionne plus, ça, on l'oublie. Alors, je pense que ça va demander une architecture qui est plus dynamique, qui est à plus petite échelle, et aussi peut-être une architecture qui est reliée aux médias en question. Sur le plan de la publicité, par exemple, mais ça pourrait aller encore plus loin, parce que vous pouvez avoir votre média qui vous explique ce qu'on voit sur le plan de l'architecture dans le milieu où on se trouve, qui donne des commentaires, par exemple, sur les différents espaces où on se trouve. Alors, c'est quelque chose qui serait possible, avoir un dialogue entre le téléphone et l'architecture ambiante. Pour ce qui est de ce que vous disiez par rapport aux jeunes et puis la vie politique puis tout ça. Lorsque je parlais à mes enfants, lorsque je parle à mes étudiants, par exemple, ce dont ils se plaignent, c'est que la politique est à peu près l'équivalent, au point de vue sociétal, du brutalisme laid sur leur plan d'architecture. C'est que ça simplifie tout, ça ne respecte pas les différences, ça ne respecte pas les différents points de vue qui sont apportés, qui sont amenés à la politique. Et c'est souvent la raison pour laquelle les gens décrochent de la politique, parce qu'ils disent, en fin de compte, si j'ai participé à ces différentes manifestations-là, tout ça, personne ne m'a écouté. Même pire que ça, là, lorsque les gens nous écoutaient, ils ont transformé ce qu'on disait. Parce que ce n'est pas du tout ce qu'on disait, puis ils ont simplifié ce qu'on disait, où ils ont corrompu le message qu'on essaie de mettre de l'avant, alors on décroche par rapport à ça. Alors, ça serait peut-être la même chose aussi. C'est que la politique devrait se différencier pour faire en sorte qu'elle soit plus qu'elle soit plus en situation de répondre aux diversités de la population, au multiculturalisme, aux différences de générations, aux différences de points de vue, aux différences de... Je ne sais pas, moi, d'idéologie, de pensée, tout ça qu'on trouve dans la société. C'est mon côté optimiste. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Sinon, on va continuer. Oh, okay. Dire que c'est toi le futur de l'urbanisme. Il faut qu'on diversifie. Et ça va venir qu'à mesure qu'on voit plus de visages différents, plus de backgrounds différents, tu sonnes comme l'ensemble
du Canada du futur. C'est plusieurs backgrounds ethniques, plusieurs langues, plusieurs... Et c'est ça qui nous donne l'espoir pour le futur de la profession, vraiment. Merci. Des questions excellentes. Où est Daniel? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Are there any questions on the, from the Internet? Bonjour à tous. Une question pour tous les panélistes. Donc, comment pouvons-nous assurer une plus grande abordabilité, accessibilité, compte tenu des nombreuses pressions que l'embourgeoisement exerce sur les zones centrales et de façon croissante sur les banlieues de première génération? Une autre ça, c'est la question de 64 000 $. Oh, c'est la vôtre, ça. Ouais. Okay. C'est pas tout. Non, la question d'abordabilité, c'est la question très difficile, surtout dans les centres-villes, les banlieues de premier lieu. Plusieurs groupes qui s'attaquent à la question. Et c'est peut-être trouver des nouvelles façons de s'attaquer. Il y a le high-rise, mais il y a aussi certains exemples qui commencent à se passer. Je pense à la question à Edmonton, où ce qu'ils ont fait le Missing Middle Competition. Et c'est beaucoup la discussion que c'est peut-être pas le high-rise ni la maison unifamiliale qui est la réponse du futur, mais c'est peut-être quelque chose entre les deux. Et une meilleure densité qui croît l'offre de logement et la qualité de l'offre de logement dans le futur. Et c'est aussi le rôle des gouvernements de supporter et de aider avec, en partenariat avec le marché privé, de se pencher sur la question d'abordabilité. Catherine? C'est un coffre à outils. Si je prends encore le cas de l'île de Hull, il y a un marché pour ce que les gens appellent la gentrification. C'est du prime land. C'est les plus belles vues sur le Parlement canadien. Il faut habiter à Gatineau pour les avoir. Mais il y a dans notre stratégie un coffre à outils. Nous avons un programme pour favoriser l'accès à la propriété pour des familles sur l'île de Hull parce qu'il y a un parc de logements unifamiliaux ou bifamiliaux, qui sont les anciennes maisons allumettes. On a des programmes de rénovation de quartier qui s'appliquent à des portions de cette île-là pour permettre aux gens qui sont là de rester là, mais dans des conditions qui sont adaptées. Le programme de subvention dont j'ai parlé, ce n'est pas juste pour des high-rise. Ça s'applique à partir de... si vous ajoutez 3 logements. Donc, ça s'applique à des bâtiments de 4 étages, 5 étages et plus. La générosité du programme est variable. Donc, il faut dire que notre objectif, c'était de ramener des gens, mais pas de ramener juste une catégorie de gens, et que les gens qui soient là puissent rester là. Et on a des défis parce qu'il y a une forte proportion de logements dits sociaux qui est dans cet environnement-là. 28 % de notre stock de logements sociaux se trouve dans le secteur du centre-ville de Hull. Donc, on n'avait pas besoin d'en ajouter. Je pense qu'à 28 %, on en a en masse, mais de diversifier. Donc, moi, je dis que je prétends que c'est la recherche d'outils qui sont complémentaires et qui tiennent compte qu'on a une diversité. Puis j'ai aussi des personnes plus âgées. Yeah. J'ai une ancienne étudiante de doctorat, Anna Kramer, qui enseigne, qui va commencer à enseigner à McGill. Et qui, sa thèse de doctorat, c'était sur la gentrification qui était causée par les systèmes de transport en commun. C'est-à-dire que lorsqu'en milieu urbain, on étendait le système de transport en commun, ce qui se produisait, c'est qu'autour des stations du système de transport en commun, il y avait de la gentrification qui se produisait.
Alors, c'est un gros problème parce qu'on crée un système de transport en commun. On veut faire en sorte que les gens qui ont le plus besoin du transport en commun soient ceux qui aient plus facilement accès. Mais en réalité, ce qui se produit, c'est que les gens qui vont habiter près du transport en commun, c'est des gens qui servent souvent de leur voiture parce qu'ils ont les moyens d'avoir leur voiture, font leur circule voiture, alors que les gens qui ont vraiment besoin du transport en commun, bien, ils sont beaucoup plus loin parce qu'ils ne peuvent pas se payer les coûts d'habitation près de la station. Alors, comment, qu'est-ce que... D'ailleurs, la première question, c'était pourquoi que ça se produit? Puis qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? C'est que le pourquoi, bien, c'est une question qui est importante parce que ça va à la source du phénomène de gentrification lui-même. C'est qu'au départ, la gentrification, c'était un petit groupe de gens qui, normalement, auraient été s'établir en banlieue, mais qui, au lieu, ont décidé de s'établir dans les quartiers centraux. À l'époque, la valeur des propriétés était dévaluée dans les quartiers centraux, donc c'était relativement facile pour eux d'aller s'acheter une maison dans les quartiers centraux et de s'établir là. Alors, ça a été le premier modèle de la gentrification. Il s'est produit deux choses qui font en sorte que c'est un phénomène maintenant qui est généralisé. Dans le cas de Toronto, c'est généralisé à l'échelle de tous les quartiers qui ont été construits avant la Seconde Guerre mondiale à Toronto. Partout, il y a de la gentrification qui se produit. Même au-delà, même dans les premières couronnes de banlieue, dans une moindre mesure, mais quand même, ça se produit là quand même. Alors, qu'est-ce qui se produit? Alors, dans un premier temps, il y a eu Jane Jacobs. Tout le monde a lu Jane Jacobs. Tout le monde a trouvé, ah, c'est tellement vrai ce que dit Jane Jacobs. Et puis, je simplifie évidemment, là, mais ça a généralisé l'attrait des secteurs urbains centraux. Aussi, il faut rajouter par rapport à ça que ça s'est produit à une époque où les villes étaient en croissance, où il y a des problèmes de circulation. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit, bon, ben, ça ne vaut pas la peine de perdre 4 heures de ma journée dans la circulation automobile. Je vais aller habiter dans les quartiers centraux. Et ceux qui avaient les moyens de le faire, ben, ont réussi à le faire. Alors, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est qu'il y a la polarisation des revenus à l'échelle de la société en entier. Ce qui fait en sorte que maintenant, lorsqu'on parle de gentrification, on ne parle plus seulement d'un petit groupe qui va aller vivre dans les quartiers centraux. Mais ce dont on parle, c'est qu'on parle de ce qui reste de la classe moyenne supérieure et puis des gens très riches qui sont devenus intéressés à vivre dans les quartiers centraux et qui délogent les autres catégories sociales qui n'en ont plus les moyens. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Alors, c'est, dans une grande mesure, c'est un problème qui est relié à l'accessibilité. C'est ce que les gens qui gentrifient, ce qu'ils veulent. Oui, il y a évidemment les vues du Parlement. Ça, c'est vrai. C'est très important. C'est intéressant aussi que le Parlement canadien soit un édifice qui paraît mieux du derrière que du devant, mais en tout cas... C'est le Canada, c'est ça. Alors, ça fait partie d'une réalité, mais la réalité principale, c'est la question de l'accessibilité. Alors, si on parvenait à améliorer l'accessibilité, on ferait en sorte qu'il y ait plus de stations de transport en commun, parce que je reviens à mon exemple premier, là. Il y a plus de stations de transport en commun qu'il y a de gens très riches qui peuvent provoquer la gentrification. À mon avis, c'est la seule façon de répondre à ce problème-là, d'y faire face, à savoir si ça va se produire ou pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Et à Toronto, il y a une grande amélioration des transports en commun, surtout pour ce qui est des trains de banlieue. Je vois que c'est un peu la même chose qui est en train de se produire à Ottawa. Alors, il y a de l'espoir. Est-ce qu'il y a assez de temps pour une autre question? En ligne, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y a assez de temps. Alors, nous sommes presque à la fin de notre session et je tiens donc à prendre un moment pour remercier chacun de nos panélistes pour leur temps, leur point de vue et leur dévouement continue envers notre profession. Vous avez propulsé le projet Forward Planning à un tout autre niveau et vos perspectives aujourd'hui ont sans doute renforcé la détermination des urbanistes qui espèrent faire une différence dans leur collectivité. Cela étant dit, je vous invite, cher public, à continuer la conversation en communiquant avec nos invités après l'événement via les médias sociaux. Merci encore à la CCN pour nous avoir laissé utiliser le labo d'urbanisme, aux bénévoles et au personnel de l'ICU pour
tout leur travail et en ce qui trait à la coordination de cet événement. Enfin, je vous invite à vous rejoindre à nouveau à moi lors de la conférence du centenaire en compagnie en juillet de trois autres panélistes qui poursuivront la conversation sur l'avenir de la profession. Merci beaucoup de votre participation aujourd'hui. Thank you, Miigwech. Thank you.